Horoscope Scorpion du 21 mars 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Vos amours viendront sous les feux des planètes. Votre vie de couple sera une priorité. Vous serez aussi amené à rejeter tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, à changer totalement votre manière d'envisager les relations amoureuses. Pour certains, cette mutation risque d'entraîner une rupture. D'autres, au contraire, parviendront à établir un nouveau type de relation conjugale. Les solitaires ne se lanceront dans une histoire d'amour que si elle correspond vraiment à ce qu'ils veulent vivre désormais. Horoscope argent. Une certaine chance sur le plan financier semble probable, vu cet environnement astral. Les contraintes qui vous pesaient auront tendance à se relâcher et vous ferez bien une petite rentrée plutôt inattendue. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser tenter par des risques excessifs susceptibles d'entraîner de lourdes pertes. La prudence restera toujours de mise. Horoscope santé. Avec cet aspect de Neptune, vous devrez vous méfier tant d'un risque de nervosité et de mauvaise résistance au stress que d'une sensibilité accrue aux maladies contagieuses. Mais l'axe du dragon, lui, sera très positif et vous promet d'excellentes capacités de récupération. En cas de problème donc, soignez-vous vite, vous retrouverez rapidement l'équilibre. Horoscope travail. Vous serez tenté de tout mettre en œuvre pour réaliser un projet audacieux ou d'envergure. Cependant, tous les éléments ne seront pas encore réunis pour qu'ils se concrétisent selon vos vœux. Prenez patience. Horoscope famille. En famille, l'ambiance sera très bon enfant. Vous saurez faire les concessions nécessaires pour maintenir un climat harmonieux et chaleureux. Vous maîtriserez soigneusement votre redoutable esprit de critique et vous vous montrerez très tolérant envers vos proches. Le bonheur sera au rendez-vous. Horoscope vie sociale. Mauvaise journée pour tenter de résoudre une affaire litigieuse. Si vous vous laissez entraîner dans un procès, vous dépenserez beaucoup d'argent et perdrez beaucoup de temps, sans même la certitude d'avoir gain de cause au bout du compte. Alors, patientez, ou mieux, essayez de tout arranger à l'amiable en vous disant qu'un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Proverbe français.